À la découverte du camp SNCC, la route qui y mène est dans un état de délabrement avancé. Une Jeep est coincée sur cette traversée et quelques jeunes du coin se mobilisent pour porter secours. La dégradation de cette avenue principale perturbe la circulation et les déplacements des habitants du camp SNCC. Les dernières pluies qui se sont abattues dans la ville de Kolwezi ont enclavé la contrée. Il n'y a pas moyen, et c'est les papas bailleurs qui a décompté la situation et les véhicules détruits à leur passage. C'est tellement détruit pourtant, ça va de la poste, on dirait la brousse réhabilitée, ça va beaucoup nous aider. C'est une bonne place, mais ils ne pensent pas à nous. On dirait que nous sommes écartés. C'est une mauvaise avenue. Elle est impraticable. Nous, les motocyclistes, nous souffrons et faisons tomber les femmes dans les eaux. Les usagers lancent un appel aux autorités locales. Nous voulons qu'on réhabilite cette avenue et les gens tombent par ici. Les autorités de la province du Lualaba puissent regarder cette situation. Nous demandons aux autorités de penser à l'avenue Kadel, qu'on arrange, c'est pas juste, nous les avons votés pour ça. Parallèlement, le camp SNCC fait face à une pénurie d'eau potable.